fait de la nouvelle cabine. Envie d'aller un peu plus vite. Voilà, c'est le volant de la nouvelle Golf. Du lait. Et quoi? Et là, c'est du lait. Le frein à main automatique. A tout de suite. Allez, on part à Knokke-Zoute et on revient. Parce que là, il y a des belles voitures à voir. Allez, c'est parti. Alors, ma ceinture est mise. Ah, ouais, ça filme. C'est parti. Tu veux que je ferme ta fenêtre? Oui. Ça va? Tu veux? Regarde. Et voilà. Ça. Je vois pas de bruit parasite. Elle roule au diesel. Ouais, c'est un 2 litres diesel. Oui. J'entends le bruit. T'entends, ouais. Ça devrait pas arriver. Donc ça, je vais leur dire. Tu verras ici, on l'entend parce que c'est bosselé. Non. Je dirais sur des routes un peu plus plates, tu l'entends pas. Ouais. Je trouve que ça devrait pas. Ça ne se fait pas sur l'ancienne. Ouais, donc tu vois. Ça ne devrait pas. Si on l'entend plus, c'est plus plat. Option, il n'y a pas grand chose. C'est pas moi qui l'ai commandé, donc je ne saurais même pas te dire. Et on l'a pris de stock. Je crois qu'il y a le volant multifonction, ouais. Le régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, l'airco manuel. Ouais, c'est pas un bison, c'est un manuel. La radio DAB, les phares sont automatiques. Les essuie-glaces aussi. Non, pas les essuie-glaces. Pas les essuie-glaces. Je pense que ça peut être chose près, ça doit être. Ouais, je pense à peu près tout. C'est vrai, niveau suspension, qu'elle est. Ouais, elle est confortable. Hein. Ouais. Vraiment, on est. Sentir au niveau couple, tu vois ici, tu vois, si on se met en petite accélération en côte, elle va vraiment bien. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Bah ouais. Celle-là. Quand je l'ai vu, c'était tout de suite. Bah ouais, tu m'as contacté. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup été occupé ces derniers moments. J'ai pas eu beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu penses, suspension? Tu sens une différence? Oui, par rapport à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne que j'ai moi. Ouais. En étant derrière à chaque fois. Ah oui, au plus derrière, c'est vrai que ça se ressent peut-être un peu plus. Et oui. Le fait qu'elle est adaptée, ça donne du poids aussi. Oui, oui. Ici, il y a quand même, allez, attends, qu'est-ce qu'il y a comme poids dedans? Derrière, il y a du gravier, il y a peut-être 150 kg derrière. Ouais, ouais. Il y a du poids. Vitesse 6. 6 vitesses. Ouais, 6. Tu vois, on va prendre un peu de dodane, comme ça tu ressentiras les suspensions. Et j'imagine start and stop. Ouais, ouais. Tu l'entends plus? Ouais. Plus rapide, je pense. Moi j'ai essayé des anciennes Volkswagen, enfin du moins une Polo qu'il avait. Elle était un peu plus lent au démarrage. Il y a des voitures où c'est quasi instantané. Mais tu n'as pas de sous la nôtre, c'est quasi instantané. Instantané aussi. Ah bah alors c'est que tu vois, moi j'ai essayé à mon avis une première génération. Et là il y avait quand même une petite seconde à mon avis. Tu l'avais testé sur une la Polo. Mienne. La tienne, oui. Je crois que oui, je l'ai montré. Ouais. Ouais, c'est vrai. Quand on avait été voir la Tiny. Tout à fait. Ah. Et le son de la radio, ça est super bon aussi. Vraiment clair. On pareil. Sent le DAB, c'est vraiment très clair. Et le volant, très bonne prise en main, comme ça, position de conduite très agréable.
Et toi qui l'as depuis combien de temps? Quelques mois maintenant, elle a 3700 km, tu vois, 3736. 3700 km. Je suis super agréable, c'est vraiment très content. Juste le petit bruit parasite là que j'avais signalé au garage. J'aurais voulu mettre une... Sur le crafter, on a pris une préinstallation caméra de recul. Et l'autoradio adapté à tout ça. Et maintenant, je demandais ce que ça pouvait coûter pour la mettre, parce que c'est la préinstallation et pas la caméra. Et vu que c'est pas un fourgon, ils ont l'air de dire qu'ils n'ont pas encore la caméra adaptée à la caméra. Je disais, bête, alors pourquoi ils te vendent la préinstallation s'ils ne savent pas te la mettre? C'est un peu bête. Ouais, ouais. Tu n'as pas CarPlay. Non, je pensais parce que tu vois, il y a un USB-C là. Donc je m'étais dit, mais quand tu vas dans le menu, tu vois, menu, tu vois, téléphone, radio, tonalité, stationnement, véhicule, il n'y a pas le... Stationnement, ça fait quoi? Ouais, hop, tu vois, tu peux... Ici, là, je roule, je peux pas, mais ici, ça, tu sais régler, tu sais, si ça aille plus fort, moins fort. Tu vois, quand on sera arrêté, je vais te montrer le menu. Ouais. Tout est devenu digital. Ouais, ça, moi, je préfère comme la tienne des boutons, tu vois. Parce que je trouve que, tu vois, tu dois aller sur ton chauffage, tu dois faire clim. Oui, oui. Et puis, tu vois, tu dois faire glisser ton doigt comme ça, oui. Plus chaud, moins chaud. Je trouve que tu es beaucoup plus distrait quand tu conduis, tandis que le bouton, tu veux mettre ton doigt dessus, tu tournes là. Tu dois avoir les yeux rivés sur l'écran. Oui. Moi, je trouve pas ça. Et en plus, si tu as une panne, ton écran est pété, tu n'as plus de chauffage, tu n'as plus rien. Moyennement bien. Le téléphone, tu vois, ça, c'est bien. Quoi. Ça, je dirais... tu vois, un menu assez simple quoi, avec tes préférés, tu vois, ton journal d'appel, le clavier, mais tu vois, quand tu roules, il te dit que tu peux pas le faire. Et alors là, c'est pour configurer, tu sais, rajouter des téléphones, régler les paramètres, oui. Des trucs comme ça. Ça consomme, dans les, j'irais ici, moi je fais beaucoup de petits trajets, quand je suis dans les 6 litres, à peu près 6 litres. À peu près 6 litres. Ouais. Je roulais. Et il y a de la blue. La blue, ouais. Il y a de la blue. Ouais. 5 litres 7, tu vois, ici, je fais consommation moyenne. Et. Combien. Pas besoin. Fais le plein de blue par. Je l'ai fait au moment où on l'a acheté. Mais depuis, là il me reste encore pour beaucoup, je vais te dire combien de kilomètres il reste à faire. C'est avec le menu, tu vois, tu rentres dans l'ordinateur de bord, consommation, température de l'huile, les kilomètres heure, la vitesse moyenne, le trajet, la durée du trajet, l'AdBlue, tu vois, il me reste pour 8500 km. Quantité d'appoint, tu vois, minimum 1,75, maximum 9 litres. Comme, le menu, tu vois, AdBlue. Puis là j'ai le trip que je sais remettre à zéro, tu vois, tac, l'autonomie, ça y est, quitte ma libre. Attends, il n'y avait rien d'autre dans le menu, tac, trip, hop, c'est le chauffage, j'ai l'impression qu'il fait super chaud. Tu vois, hop, et tu vois le menu de nouveau dans le chauffage, si tu veux la direction du vent, tu vas pousser là-dessus, tac, et tu vois, tu sais choisir des embuages plus pied, tu vois, c'est assez... Oui. Je trouve que tu es plus vite distrait quoi, avec ça. Tu vois, la puissance est ici. Et alors, le fameux menu, regardez, une fois stationnement, voilà, bah, tu as le logo de l'arrière de la camionnette qui apparaît, tu vois. Et tu as des barres qui apparaissent au fur et à mesure que tu recules et le bruit. Enfin, rien de, tu vois, de très particulier. Maintenant, voilà, on s'habitue, mais. Hop! Oui. Oui, il faut embrayer pour qu'elle prenne, il y a toujours un petit temps. Tu vois, par exemple, si tu fais clim, hop, tu es dans le menu chauffage, tu vois. Mm-hmm. Tu dois faire, donc, tu vas glisser ton doigt sur les curseurs, pour changer la direction, tu vois, tu dois pousser là, tu te dis, tu vois, température, moi je trouve que c'est un peu... Tu ne dois pas t'occuper du frein à main. Non. Allez alors. Ok. Hop. Tu dois le mettre après. Je vais
C'est pas la même chose, c'est mieux. Enfin, c'est normal, hein, c'est un châssis beaucoup plus moderne. Qu'est-ce qu'on fait comme tour, comme petit tour? On va prendre un petit peu la voie rapide et on va redescendre. Oui. Jusqu'à la mer avec. Oui. Oui.
fait vraiment trajet. Hein. Non. Vraiment pas. La blouse, ça fait. Peut-être un point que... Tu sais, c'est comme ça sur tous les moteurs diesel maintenant. Oui. On n'a pas le choix. Non. Non, non. C'est comme ça maintenant, rien à faire. Facilement.